Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition du journal. Au menu, exacerbation des tensions à Bilanga. Les trafics frontaliers sont suspendus. L'armée a assiégé le siège de la base Bilanga de l'UDPS Kasumbalesa. Les drapeaux et insignes du parti présidentiel ne sont plus visibles. Encore non plus le président de la base ainsi que ses proches collaborateurs. Mufuna libre, il quitte lundi la prison centrale de Makala. L'évêque de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa a été acquitté par le tribunal de grande instance de Kinshasa. Il était accusé de viol, détention illicite des documents parcellaires. Un bémol tout de même, sa sortie de prison risque d'ouvrir un autre feuilleton. Le ministère public promet d'aller en appel. Les élections de 2023 se préparent déjà et devraient être moins reprochables que le scrutin précédent. Il faudra vider toutes les poches de malentendus et de soupçons en vue de baliser la voie vers les élections crédibles et transparentes. Démarche entreprise par le Centre d'appui politologique Afrique-Caraïbe de l'Université de Liège qui a lancé lundi le débat sur la réforme électorale. Bien que boycotté par certains leaders de la société civile et autres acteurs politiques, certaines forces vives étaient de la partie.